Salut Marley. Salut. T'aurais pas un truc là quand on a la gorge un peu sèche? Ah, on est en fin de saison, j'ai plus grand chose. Regarde dans l'armoire. Ah ouais, effectivement. Je trouve pour deux. Ouais, vas-y, tiens, ça va me réveiller. Tiens. Non, merci. Jamais pendant le service. Je fumerai ce soir à la maison. Ah, c'est drôle. Chez nous, c'est l'inverse. On fume ici, mais jamais à la maison. Meuf, Gilbert. Oh, putain, la bagnole. Bon, Alain. Vous me mettez l'animal dans le grand bureau. On le sort de sa cage? Mais bien sûr que non. Faut-il vous le rappeler qu'il est extrêmement dangereux, l'animal, Alain? Je sais, mais c'est que la cage est extrêmement grande. Arrêtez de discuter la discussion, hein. Exécution. À toutes les unités. Le loup est dans la bergerie. Le loup est dans la bergerie. Merde, c'est Gilbert, vas-y, jette. Venez là. Oui, commissaire. T'es encore fumé, Marlène? Ah non, non, je vous assure. Tata, pas d'histoire avec moi, hein. J'ai l'odorat très développé, mon petit Marlène. Hein, l'hiver dernier, j'ai fait un stage de 3 mois avec les chiens d'avalanche. Alors autant vous dire que j'en ai reniflé de la neige. Je me doute, ouais. Eh ben, en fin de stage, j'arrivais à détecter de la beuse à plus d'un kilomètre. Trop fort. Oui. Bon, ça va aller pour cette fois, mais que je vous y reprends plus, hein. Tu